bien le bonjour. De nouveau, on fouille. Qu'allons-nous avoir? On continue à fouiller, on fouille, hein, évidemment. Ah, ça, ça a l'air drôle. On va voir. Ah, non, bah, j'ai une autre couleur. On va voir ce que c'est. Alors, bah, cette fois-ci, une couleur différente. Vous êtes peut-être tombé à court, comme c'est la période de Noël, la cour de sac poubelle brun, noir, gris, couleur classique. Et là, bah, ils en ont mis un beau petit violet. On va voir. Hein. Avons-nous, qu'avons-nous? Ah bah tiens, un t-shirt multicam. Bah c'est nickel, vu que bah j'en ai l'utilisation, on va dire, bah, pour les vidéos, comme vous avez pu voir, j'en mets de temps en temps un. J'en utilise aussi régulièrement dans la vie, tous les jours, en t-shirt comme ça pour le loisir. Et évidemment en airsoft. Ah mais c'est un t-shirt style un petit peu comme les vareuses. Je sais pas si on voit le tissu, style un peu aéré, vraiment comme les vareuses de football, basketball. Ah mais il est pas mal du tout, ça a l'air d'être quelque chose de pas mal en qualité. Du 3XL, bah, on va voir ce que ça donne, hein. Je vais le remettre sur mon dos et on va voir ce que ça donne. A few moments later. Bon bah, très bonne qualité, nickel, ouais. Un petit souci, c'est à mon avis du 3XL enfant. Il faudrait que je regarde par rapport à la taille ici, ça c'est une taille chinoise, 185, 102A, ça doit être une taille chinoise, mais du 3XL, j'ai un doute. J'ai pas réussi à passer mes bras, enfin mes bras passent, mais sont complètement écrasés ici dans la manche. Et je ne sais pas descendre le t-shirt plus bas que mes pectoraux. Bon, d'accord, je suis enveloppé. Mais je mets mon sweatshirt que j'ai, donc avec le logo de la chaîne, dessus. C'est un 2XL aussi. C'est un 2XL. Ici, c'est un 3, j'arrive pas à le mettre. Le t-shirt que j'ai actuellement est un 3XL. Il me descend... on va dire un peu plus bas que la taille sans problème et ne me sert pas. Celui-ci, je ne sais pas le descendre, il est beaucoup trop petit, on est, c'est vraiment taille chinoise. Donc la taille, je vais regarder, je vais vous mettre la correspondance ici en dessous pour voir si je trouve la correspondance de cette taille chinoise-là. Enfin, dommage, mais c'est pas grave, hein. Ça ira soit je le donnerai à quelqu'un qui est plus mince que moi. Ça, pas difficile à trouver. Ou ce sera pour mon épouse, qui, elle aussi, est beaucoup plus mince que moi. Donc, voilà. Ouais, bah, c'est pas mal, hein. Mais sinon, voilà, on peut tester voir la qualité. C'est un t-shirt qui coûte rien du tout. J'ai plus vraiment idée, mais c'est moins de 5 euros, je pense. Je vous mettrai le prix ici aussi. Et, comme ça, mais voilà. Mais, donc, si vous êtes gros comme moi, n'achetez pas ça. Si vous êtes de taille de corpulence moyenne, ou mince, il n'y a pas de problème, vous pouvez acheter, il n'y a pas de souci. Allez, à demain.